Alors, parfait. Alors, chers collègues, bienvenue à notre séance régulière du mois de mai 2021. Alors, vous avez tous reçu préalablement un projet d'ordre du jour ainsi que le cahier des participants. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Jacques Delisle. Monsieur Delisle. Point numéro 2, méthode de l'adoption du procès-verbal. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2021, dont vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires concernant le dit procès-verbal? Gaston Arcand propose. Alors, je comprends que M. Arcand en fait la proposition. Point numéro 3, maintenant, première période de questions. Alors, évidemment, tel que vous le savez, en fait, le Conseil de la MRC a évidemment permis la transmission de questions écrites. Alors, je vais céder la parole à Madame Frenette. Oui, alors le Conseil des représentants a reçu quelques questions en préparation du Conseil. Trois d'entre elles concernent le même sujet. Elles ont été adressées par Messieurs Jason Mayotte de Neuville, Yves Monette de Neuville et Aubert Tremblay également de Neuville. Les trois questions visent à savoir si Monsieur Gaudreau se retirera lorsque le Conseil traitera le point 6.1 de l'ordre du jour, point qui concerne la délivrance de certificats de conformité au schéma d'aménagement. Puisque l'un de ceux-ci concerne le règlement 104.34 de la Ville de Neuville, relatif au projet de résidence Les Belles-Marées. Cette question est liée au fait que M. Gaudreau serait en conflit ou en apparence de conflit d'intérêts, puisqu'il est administrateur de l'organisme devant gérer l'éventuel édifice appelé Les Belles-Marées, et que la ville dont il est le maire est le promoteur du dit édifice. M. Gaudreau. Merci, Madame Frenette. Tout d'abord, je crois important de rappeler à ces personnes que pour avoir un conflit d'intérêts, la personne visée doit agir dans le but de favoriser ses intérêts personnels ou d'y avoir un intérêt pécunier. Or, je n'ai aucun intérêt personnel ou pécunier dans le projet communautaire Les Belles-Marées. Sommairement, l'organisme des Belles-Marées est un organisme à but non lucratif dont le projet consiste à déployer une habitation collective subventionné par la Société d'habitation du Québec et normé par le programme Accès logis du gouvernement du Québec. Enfin, je tiens à rappeler que les membres du conseil municipal de la ville de Neuville qui agissent à titre d'administrateur provisoire, qui agissent, excusez-moi, à titre d'administrateur provisoire du conseil d'administration des Belles-Marées agissent en leur qualité d'élus municipaux et non en leur qualité personnelle. Merci, M. Gaudreau. J'aimerais aussi préciser que les représentants du Conseil de la MRC ne sont pas en situation de conflit d'intérêts et n'ont pas à se retirer lorsque le Conseil aborde un dossier impliquant leur municipalité, à moins que l'élu ait un intérêt pécunier personnel dans le projet porté ou déposé par sa propre municipalité. Voilà pour les trois personnes qui posaient la même question. Ensuite, on a M. Yves Monette de Neuville qui a présenté la question suivante. Alors que la grande majorité des municipalités et MRC du Québec ont adapté leurs pratiques pour se conformer aux règles de la santé publique, comment se fait-il que la MRC de Portneuf tienne toujours ses rencontres du Conseil à huis clos, sans même offrir aux citoyens que vous représentez la possibilité de participer par visioconférence? La réponse, dès le début de la pandémie, nous avons fait les démarches pour connaître les obligations sanitaires auxquelles devait se soumettre la MRC dans la gestion de ses séances du Conseil. Il n'y a aucune obligation de tenir des séances participatives en visioconférence. Et le Conseil de la MRC désire maintenir cette façon de faire jusqu'à la levée des consignes. La MRC de Portneuf, en rediffusant son conseil rapidement et en permettant le traitement des questions citoyennes par un lien sur son site Web, fait ainsi partie de la majorité des MRC ayant adapté leurs pratiques pour se conformer aux règles de la santé publique. Autre question, Mme Laurence Demers-Arsenault de Neuville a présenté les questions suivantes. Est-ce que le Conseil est au courant que plus de 300 citoyens remettent en question le choix du site des Belles-Marées, projet qui leur sera soumis au point 6.1 de l'ordre du jour? En effet, oui, le Conseil a bien été mis au courant puisque Mme Laurence Demers-Arsenault a elle-même signé et expédié une lettre faisant mention de ses préoccupations. Elle a été transmise le 15 avril 2021 à la MRC et à plusieurs élus également. Autre question, est-ce que le Conseil de la MRC juge qu'il est important que les projets qui leur sont soumis aient reçu une acceptabilité sociale? Le Conseil de la MRC n'a pas à statuer sur l'acceptabilité sociale du projet de règlement, mais bien sur la conformité de ce dernier.
Autre question, est-ce que le Conseil de la MRC juge qu'il est important de suivre les recommandations du rapport de caractérisation du littoral Portneuvois, ce qui implique, entre autres, de développer la route 138 en préservant ses caractéristiques paysagères, notamment par le maintien de percées visuelles d'intérêt sur le fleuve? À cette question, j'invite M. Jean Lessard, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, à répondre. Oui, merci. Trois choses à retenir par rapport à ce point-là. D'abord, l'analyse qu'on fait des règlements qui nous sont transmis ne doivent porter que sur les éléments de contenu du schéma d'aménagement. Donc, le rapport de caractérisation des paysages demeure toutefois un précieux outil de référence en matière de connaissance des paysages sur le territoire de la MRC et de sensibilisation aussi à la protection et à la mise en valeur des paysages qui peuvent être utiles à la fois pour la MRC, les municipalités et autres intervenants du milieu. Toutefois, ce rapport-là, c'est un document qui n'a aucune valeur légale et qui ne peut servir d'aucune façon pour statuer sur la conformité d'un règlement. Donc, en résumé, ce sont les points que j'avais à souligner sur cet élément-là. Merci, M. Lessard. Dernière question qu'on a reçue, ça provient de Mme Nicole Robert de Neuville, qui pose la question, est-ce que les maires sont au courant que l'ancien terrain d'Hydro-Québec à Neuville, dont le règlement 104.34 demande une modification de zonage au point 6.1 de l'ordre du jour, pourrait être utilisé de façon bien plus significative pour l'ensemble de la MRC que ce que propose le projet actuel? Si on en faisait un parc commémoratif de la bataille de Neuville, l'impact serait régional, même national. C'est à cet endroit même qu'a lieu la dernière bataille navale du régime français, alors que le projet de construction actuel pourrait très bien se faire ailleurs. On pourrait même rapatrier une statue de Vauquelin, il y en a une à Montréal, pour l'y installer comme Cap-Rouge l'a fait pour la statue de Cartier. J'inviterai M. Lessard à répondre à la question. Oui, même si c'est une idée intéressante, en fait, la MRC n'a pas le pouvoir d'imposer un projet de parc à la ville de Neuville via le processus de conformité au schéma d'aménagement. Il faut retenir que le site compris est situé à l'intérieur d'une affectation urbaine du schéma d'aménagement et le schéma d'aménagement ne précise d'aucune façon la vocation particulière qui doit être attribuée à ce site-là. Donc, en conséquence, il s'agit d'un choix d'aménagement qui appartient au Conseil de la ville de Neuville. Merci, M. Lessard. Donc, ça complète, Mme Frenette, les questions écrites que nous avons reçues. Alors, nous allons maintenant aborder le point numéro 4 qui concerne l'administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, vous avez évidemment tous reçu la liste des déboursés du 1er au 30 avril 2021. Est-ce que vous aviez des questions concernant les dits déboursés? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Juste l'anglais. Monsieur Langlais. 4.2 maintenant, règlement modifiant le règlement numéro 380 décrétant les règles encadrant la gestion contractuelle à la MRC de Portneuf. Alors, avis de motion et présentation. Alors, comme vous le savez, en fait, le gouvernement du Québec a interpellé l'ensemble des corps publics afin, évidemment, de nous rappeler et surtout, évidemment, d'encadrer que nous devrons prioriser l'octroi de contrats à des entreprises québécoises concernant, évidemment, les contrats publics pour stimuler l'économie qui a été durement affectée, notamment par la pandémie mondiale. Donc, l'objectif de ce soir, évidemment, c'est de procéder à l'avis de motion et à la présentation du projet de règlement qui devra également être entériné par l'ensemble des municipalités du Québec. Je ne sais pas, Mme Frenette, si vous souhaitez apporter davantage de précisions ou que mes explications sont complètes. Sont complètes. Alors, je propose. Merci, M. Vézina. 4.3 maintenant, rapport financier 2020 et rapport des auditeurs de la MRC de Portneuf, donc acceptation du dépôt. Alors, tel qu'il nous l'a été présenté par nos auditeurs indépendants, le cabinet Bédard-Guilbeault, la MRC de Portneuf, évidemment, a conclu son exercice financier de l'année 2020. Et évidemment, c'est avec une grande
un grand positif que nous avons évidemment complété l'analyse. Sommairement, en fait, la MRC a dégagé un surplus de son exercice en cours de près de 432 000 $ et qui porte évidemment notre surplus libre non affecté à un peu plus de 980 000 $. Donc, je vous dirais évidemment que c'est notre bulletin financier que nous recevons à chaque année et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des collègues me représentant du conseil de la MRC, l'ensemble des employés et l'ensemble de nos partenaires qui font en sorte que nous puissions évidemment continuer année après année à avoir une saine gestion des finances publiques de notre organisation et de faire en sorte que collectivement notre impact est positif et qui nous permet évidemment de continuer à attribuer un montant de quote-part qui est plus que responsable et qui permet à l'ensemble de nos organisations de pouvoir s'émanciper à l'intérieur de la MRC de Portneuf. Alors, si le tout vous convient, en fait, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'acceptation du dépôt de notre rapport financier 2020. André Saint-Laurent. Merci, Madame Saint-Laurent. 4.4 maintenant, le Centre d'archives régionales de Portneuf. Alors, une autorisation de dépenses, alors telle qu'il vous l'a été présentée. Notre centre d'archives nécessite quelques rénovations et des mises à niveau. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de concentrer les travaux pour les effectuer lors, évidemment, des mêmes interventions pour éviter, en fait, des déménagements successifs et également des fermetures trop prolongées. Donc, le coût global pour les travaux évidemment, ne devrait pas excéder, en fait, 29 110,89 $. Alors, si le tout vous convient, évidemment, ce serait d'autoriser, évidemment, l'octroi du contrat à l'entreprise JDHM Construction pour le montant de 29 110,89 $, plus les taxes applicables et qu'une partie de notre dépense soit comptabilisée au poste immobilisation de travaux bâtiments dans notre budget. Denis Lépine propose. Merci, M. Lépine. 4.5 maintenant, exercice d'équité externe. Alors, nous avons reçu une offre de service de la Fédération québécoise des municipalités. Madame Frenette. Pardon, le micro était fermé. Alors, oui, l'exercice d'équité externe, c'est considérant que la MRC veut se positionner de façon avantageuse sur le marché du travail et que c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre. On va travailler avec la FQM pour établir une équité externe et se positionner sur le marché pour les différents postes de la MRC. On va par le fait même aussi faire un petit ménage au niveau des échelons qui n'ont jamais été revus depuis plus de 10 ans. Ils ont été indexés avec le coût de la vie, mais vraiment par rapport au marché, est-ce qu'on est encore compétitif? C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines semaines. Alors, la commission d'administration recommandait au conseil d'autoriser le contrat à la FQM pour un montant maximal de 7 200 $ plus taxes applicables pour faire réaliser ce travail-là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Frenette. Alors, est-ce que j'aurais une proposition pour... Oui, Alain, il va pas le proposer. Parfait. Merci beaucoup, M. Alain. 4.6, maintenant, embauche d'un cartographe ou d'une cartographe géomaticienne. Alors, comme vous le savez, en fait, un poste de cartographe géomaticien était vacant au sein du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la MRC de Portneuf. Nous avons, évidemment, il y a quelques semaines, procédé à un affichage de poste et nous avons reçu plusieurs candidatures et le comité d'analyse est venu à la conclusion de recommander l'embauche de M. Raphaël Parent. Et avec une entrée en poste à compter du 14 juin 2021. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner la nomination de M. Parent au poste de cartographe géomaticien à temps plein à compter du 14 juin prochain. Yves Bédard propose. Merci, M. Bédard. 4.7 maintenant, immobilisation pour l'achat d'un poste informatique pour la géomatique. Alors, c'est une autorisation d'achat afin de procéder à l'achat d'un ordinateur nécessaire pour l'accomplissement, évidemment, des tâches et, évidemment, de doter notre nouvel géomaticien avec les outils nécessaires. Donc, on parle d'une dépense de 5 354,62 $ plus les taxes applicables. Mario Lantler, propose. Merci, M. Leclerc.
4.8 maintenant au niveau de la gestion des ressources humaines et relations de travail, mandat d'accompagnement à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, comme vous mentionnez, évidemment, la FQM est dotée d'un service d'accompagnement en relations et ressources humaines. Et évidemment, il vous est recommandé que la MRC de Portneuf mandate le service en ressources humaines et de relations de travail de la FQM afin qu'il nous accompagne en matière de négociation de la convention collective qui est en cours avec les tarifs applicables en vigueur, qui sont entre 120 et 180 de l'heure. Alors, j'ai besoin d'une résolution en ce sens. Raymond Francœur. Merci, M. Francœur. Alors, nous sommes maintenant rendus au point numéro 5 qui concerne l'administration des territoires non organisés, donc rapport financier 2020 et rapport des auditeurs de la municipalité des territoires non organisés. Alors, à l'instar de la présentation qui nous a été faite pour les états financiers de la MRC de Portneuf, nos auditeurs indépendants, le cabinet Bédard-Guilbeault, a également effectué la même présentation, mais pour les TNO. Alors, nous avons eu la chance, évidemment, d'entendre les résultats financiers et sommairement, l'exercice est terminé au 31 décembre 2020 a apporté un surplus de 46 000 $ pour, évidemment, s'additionner au surplus antérieur. Donc, le surplus libre non affecté s'élève maintenant à 174 693 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption du... Gaston Arcan propose. Merci, M. Arcan. Alors, nous serions maintenant rendus au point numéro 6 qui concerne les dossiers du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Je laisserai maintenant la parole à M. Lessard pour le point 6.1 afin qu'il puisse présenter les 7 règlements qui nécessitent un certificat de conformité et de répondre à vos questions le cas échéant. Alors, M. Lessard, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, effectivement, il y a 7 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Je vous résume succinctement chacun des règlements, considérant que vous avez tous reçu les rapports détaillés d'analyse produits par notre service. Donc, le premier règlement transmis concerne des modifications au règlement de construction, de zonage et sur les usages conditionnels de la ville de Cap-Santé. En fait, les modifications apportées visent une série d'ajustements ou de précisions sur différents objets des règlements concernés, principalement le règlement de zonage. Donc, les ajustements ou précisions apportées n'affectent d'aucune façon la conformité au schéma d'aménagement. Le deuxième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. Il s'agit ici du règlement 104.32. Donc, le règlement adopté vise à intégrer des modalités applicables à des projets intégrés résidentiels et à permettre de tels projets intégrés résidentiels à l'intérieur d'une zone résidentielle de la municipalité et qui est comprise à l'intérieur d'un îlot résidentiel déstructuré de la zone agricole reconnue au schéma d'aménagement. Donc, le règlement adopté respecte les modalités du schéma d'aménagement applicable au secteur concerné. Le troisième règlement concerne aussi une autre modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. Il s'agit ici du règlement 104.34. Donc, le règlement adopté vise principalement à majorer la hauteur maximale permise pour les bâtiments à l'endroit d'une petite zone publique et institutionnelle située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, il s'agit de la zone PA6. Donc, le règlement vise également à ajouter un usage complémentaire à une habitation collective à même cette zone publique PA6, tenant compte de l'ensemble des éléments du schéma d'aménagement applicable à ce secteur-là et de notre analyse. Nous sommes d'avis que le règlement ne contrevient pas aux exigences du schéma d'aménagement. Le quatrième règlement concerne une modification au règlement de construction de la ville de Pont-Rouge. Donc, le règlement adopté vise à permettre les fondations sur piliers ou pilotis pour les bâtiments principaux localisés dans les îlots déstructurés de la zone agricole selon certaines circonstances. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité au schéma d'aménagement.
Le cinquième règlement concerne certaines modifications au règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. Donc, le règlement vise d'abord à apporter différentes modifications aux zones concernées par le projet de développement récréo-touristique du club de golf Grand Portneuf, selon les paramètres qui ont été établis dans le cadre d'une modification apportée au schéma d'aménagement il y a quelques années. La deuxième modification de Saint-Basile vise la création d'une nouvelle zone agroforestière afin d'encadrer l'implantation d'un projet de centre d'interprétation acéricole. Et le troisième objet du règlement vise à ajouter des normes applicables à la plantation et l'abattage d'arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, les différentes modifications apportées au règlement de Saint-Basile nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Le sixième règlement transmis concerne des modifications apportées au plan d'urbanisme, au règlement de lotissement et au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gilbert. Donc, le règlement vise à assurer la concordance avec la modification apportée au schéma d'aménagement concernant la révision des îlots déstructurés. Donc, les modifications apportées respectent les exigences du schéma d'aménagement et de la décision rendue par la CPDEQ à cet égard. Le septième et dernier règlement transmis concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Donc, le règlement adopté vise à ajouter un usage lié à l'ébénisterie dans une zone commerciale de la ville. Donc, encore une fois, donc ce règlement ne pose pas de problème de conformité au schéma d'aménagement. Donc, en résumé, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent ne pas contrevenir aux exigences du schéma d'aménagement de la MRC. Voilà. Merci. J'en fais proposition. Raymond Francaire, la proposition. Raymond Francaire. Monsieur Gaudreau, il y a pas de santé un petit moment. Je fais 6.2. Alors, 6.2, règlement numéro 397, modifiant le règlement 392 concernant les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf au fin de préciser la nature de certains types de véhicules autorisés sur le site. Donc, nous sommes à l'étape de son adoption. Monsieur Lessard. Oui, donc je vous rappelle que vous aviez donné un avis de motion pour ce règlement-là au mois d'avril dernier. Le projet de règlement vous avait été déposé également et présenté. Le projet de règlement avait été élaboré conjointement avec l'AMRC de la Jacques-Cartier et la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de procéder à l'adoption finale, donc sans aucune modification par rapport au projet qui avait été déposé initialement. Si vous voulez, je peux vous faire un petit rappel là, du contenu du règlement. Absolument. Oui. Donc, pour les grandes lignes du règlement, bien, d'abord, c'est un règlement qui vise principalement à encadrer les vélos à assistance électrique permis dans le parc régional linéaire selon différentes conditions. Ça vise à éviter les engins indésirables ou jugés incompatibles avec une circulation sur la piste cyclable. Deuxième élément de ce règlement-là, c'est d'apporter des précisions pour les véhicules d'aide à la mobilité. On parle ici des véhicules pour personnes handicapées ou personnes âgées. Donc, ça vise à éviter de trouver toutes sortes de véhicules roulants là, inappropriés sur la piste cyclable. Et finalement, troisième élément visé par le règlement, c'est de fixer une vitesse maximale de circulation pour la période estivale qui est fixée à 30 km/h. Donc, si vous êtes d'accord, on vous propose d'adopter le dit règlement de façon à ce qu'il puisse entrer en vigueur le plus tôt possible en prévision de la saison qui débute. Yves Bédard propose. Merci, M. Bédard. 6.3 maintenant, avis de la MRC de Portneuf relativement à des demandes d'exclusion de la zone agricole et d'inclusion formées par la municipalité de Saint-Uribe. M. Lessard. Oui, je vous ai déjà présenté les demandes formulées par la municipalité de Saint-Uribe. Pour résumer succinctement, donc, les demandes portent sur deux volets. Le premier volet, c'est vraiment une demande d'exclusion de la zone agricole qui porte sur une superficie de 5,8 hectares. Ça vise à répondre aux besoins résidentiels de la municipalité au cours des prochaines années.
Le deuxième volet de la demande porte sur une demande d'inclusion à la zone agricole de certaines parcelles de terrain situées actuellement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité, donc, et qui sont utilisées à des fins agricoles pour la majeure partie. Ce volet-là porte sur une superficie de 2,1 hectares. Il faut dire que c'est un dossier là, qui chemine déjà depuis 2019, ce dossier-là. Et les demandes d'exclusion et d'inclusion de la zone agricole présentée par la municipalité de Saint-Uribe tiennent compte des recommandations qui ont été formulées par le comité consultatif agricole. Donc, le comité agricole vous propose d'appuyer les démarches de la municipalité de Saint-Uribe auprès de la CPTEQ pour l'obtention d'une exclusion et d'une inclusion. Et donc, ce qui est proposé aussi, c'est d'indiquer que la demande apparaît justifiée en fonction des critères de décision de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et d'indiquer aussi à la CPTEQ votre intention de modifier le schéma d'aménagement advenant une décision favorable de la CPTEQ pour l'exclusion demandée. Justin, la propose. Parfait. Merci, M. Langlais. 6.4 maintenant, un avis de la MRC de Portneuf relativement également à une autre demande d'exclusion de la zone agricole, maintenant formulée par la municipalité de Rivière-à-Pierre. M. Lessard. Oui, c'est un dossier aussi que je vous ai déjà présenté. Donc, la demande d'exclusion formulée concerne une bande de terrain d'une superficie de 3,3 hectares dans le secteur du lac du Milieu de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Donc, la parcelle concernée par la demande présente certaines contraintes d'utilisation agricole et permettrait aussi de résoudre certaines problématiques environnementales. Donc, la demande a été analysée par le comité consultatif agricole qui a formulé un avis favorable. Donc, pour même chose que le dossier précédent, il vous est recommandé donc d'abord d'appuyer la démarche d'exclusion la zone agricole de la municipalité de Rivière-à-Pierre auprès de la CPTEQ, d'indiquer également que cette demande-là apparaît justifiée en fonction des critères de l'article 62 de la loi et d'indiquer également votre intention de modifier le schéma d'aménagement advenant une décision favorable de la CPTEQ. Dominique. Alors, merci, M. Tessier. 6.5 maintenant, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, maintenant par la ville de Cap-Santé. Oui, donc la demande d'autorisation envisagée par la ville de Cap-Santé concerne l'aménagement d'un chemin d'accès en zone agricole sur une longueur d'environ 2 km. La superficie totale demandée porte sur environ 4 hectares. En fait, le chemin projeté permettrait d'assurer la liaison entre la route 358 et une zone à vocation commerciale et industrielle localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville. Le chemin d'accès longerait pour la majeure partie l'autoroute 40, donc sur la majeure partie de son parcours. Donc, encore une fois, c'est un dossier qui a été analysé par le comité consultatif agricole de la MRC, qui a formulé un avis favorable et il vous est recommandé d'appuyer la ville de Cap-Santé dans ses démarches auprès de la CPTEQ pour l'obtention d'une autorisation pour l'aménagement du chemin d'accès et d'indiquer également à la CPTEQ que la demande est jugée conforme au schéma d'aménagement, c'est-à-dire si ça implique pas de modification au schéma d'aménagement, et d'indiquer également qu'elle apparaît justifiée en regard des critères de décision de l'article 62 de la loi. Guillaume Vézina propose. Merci, M. Vézina. J'inviterai les gens qui de mettre leur micro en sourdine, s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Alors, merci, M. Lessard. 6.6 maintenant, mandat à conservation de la nature Canada CNC dans le cadre de l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques, PRMHH, recommandation de la Commission de l'environnement. Alors, en fait, la commission s'est réunie vendredi dernier en présence, évidemment, de M. Simon Chouinard et de M. Lessard et des membres de la commission afin, évidemment, d'étudier une offre de service qui nous a été transmise par l'entité conservation de la nature Canada qui, évidemment, verra à nous accompagner
dans l'élaboration de notre plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, les membres de la Commission de l'environnement ont eu la chance d'exprimer et d'examiner l'offre de service et se sont déclarés satisfaits. Donc, si le tout vous convient, l'objectif de la résolution de ce soir, c'est d'octroyer le mandat à Conservation de la Nature Canada pour qu'ils puissent évidemment entreprendre leurs travaux d'accompagnement pour un montant total de 10 584 $ plus les taxes applicables. Jacques Delisle propose. Merci, M. Delisle. Nous serions maintenant rendus au point numéro 7, service de l'évaluation foncière. Donc, il n'y a aucun dossier à traiter. Donc, point numéro 8, service de développement économique à 8.1, fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19, adoption du ou des projets recommandés. Donc, la Commission de développement économique s'est également réunie plus tôt cette semaine afin de procéder à l'analyse des différents dossiers qui nous ont été soumis. Vous avez dans le cahier des participants, en fait, les offres, des montants, évidemment, d'aide octroyées. On parle, évidemment, de 8 dossiers qui totalisent une enveloppe globale de 130 602 et qui, évidemment, s'inscrit dans les crédits budgétaires qui ont été mis à notre disposition par le gouvernement du Québec pour accompagner les entreprises de notre territoire. Et M. Godreau, si je peux ajouter Fortier. Aussi, 23 nouveaux dossiers, 23 dossiers aussi ont été soumis à la même commission du 17 mai, donc une possibilité de prêt supplémentaire pour 23 clients qui totaliserait 448 863,71. Tout à fait. Et Jean-Claude Léveillé propose. Parfait. Merci beaucoup, M. Léveillé. Donc, nous allions passer au point 8.2. Maintenant, au niveau du comité d'investissement commun, connu sous le vocable CIC, adoption évidemment des projets recommandés. Il y a 5 projets. Monsieur Fortier, je vous cède la parole. Merci, M. Godreau. Donc, premier dossier, le 3172 93 64 44 25 Québec, mieux connu sous le nom de Ferme New Jersey. Montant de 5 000 au Fonds de soutien aux entreprises Volet 8, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. 4177 Nord Métal, 7 500 Fonds de soutien aux entreprises Volet 8, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. 4178 Alexir Incorporé, 2 500 Fonds de soutien aux entreprises Volet 6, soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information. Centre de l'alphabétisation Lardoise, 3 900 Fonds de soutien aux entreprises Volet 6, soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information. Et le dernier dossier, 31 56 13 000 FLI FLS, un prêt. Donc, il totalise là, un montant total en fonds de soutien aux entreprises et FLI FLS d'un montant total de 31 900. Merci, M. Fortier. Des questions concernant les dossiers recommandés? Daniel Dion propose. Merci beaucoup, M. Dion. Point 8.3 maintenant, fonds de la région de la capitale nationale. Donc, en fait, c'est un point d'information. Il n'y a aucun dossier recommandé. Donc, il n'y a pas de résolution qui est nécessaire pour ce point. 8.4 maintenant, promenade fleuve, autorisation de déposer une demande d'aide financière au fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, alors tel qu'il nous a été expliqué et présenté par Mme Stéphanie Poiré. Évidemment, une demande d'aide financière peut être adressée au fonds de soutien au projet structurant pour un montant de 28 798 $ qui permettrait évidemment de boucler le montage financier projeté et d'avancer les travaux en partenariat avec les autres partenaires financiers que nous avons et qui ont été confirmés. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour entériner le dépôt de la demande au fonds de soutien au projet structurant pour une somme de 28 798 $. Léo Gignac. Parfait, M. Gignac. Merci beaucoup. 8.5, maintenant, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Plusieurs projets vous ont été, en fait, présentés. Alors, peut-être, M. Fortier, on pourrait les adresser par bloc, donc en commençant par les projets volets local. Oui, donc le numéro de dossier, le 01-2021-01, municipalité de Saint-Alban. Le nom du projet, c'est l'implantation d'un skatepark, coût admissible 88 000, montant demandé admissible 20 000 et le montant recommandé, 20 000.
Toujours, là, ça va être le dossier 02, comité de développement de Saint-Hubert, avance d'un agent de développement local, coût du projet admissible 44 136, montant demandé admissible 10 000, montant recommandé 10 000. Projet numéro 3, ville de Pont-Rouge, sentier de la rivière aux pommes, coût du projet admissible 164 465, montant demandé admissible 15 000. Le quatrième dossier, ville de Lac-Sergent, parc municipal phase 2, un parc nouveau basketball, coût de projet admissible 54 068, coût de montant demandé et admissible 15 000, montant recommandé 15 000. Deuxième bloc, au niveau du volet territorial, donc c'est le PST 20-21-01, Solidarité citoyenne Portneuf. Nom du projet, la caravane sociale, coût de projet admissible 86 601, montant demandé admissible 20 000 pour un montant recommandé de 20 000. Le deuxième projet, MRC de Portneuf, promenade fleuve mise en œuvre, coût de projet admissible 393 798, montant demandé admissible 28 798, montant recommandé 28 798. Le troisième et le dernier de ce bloc, le centre vacances Lac-Simon, amélioration de l'offre et des infrastructures, 32 146, montant demandé admissible 19 287 et le montant recommandé 8 800. L'autre bloc, le dernier bloc, volet événements touristiques, donc le numéro de dossier PSE 20-21-01, nom du promoteur, donc Société de développement des sports de plein air, nom du projet Festival Basecamp 2021, coût de projet admissible 85 350, montant demandé admissible 8 000, montant recommandé 2 500. Deuxième projet, ville de Cap-Santé, le marché de l'escale Cap-Santé riche en couleurs, coût de projet admissible 8 700, montant demandé admissible 1 740 pour un montant recommandé de 1 740. Le dernier, le projet 03 Club MX, donc championnat de motocross Deschambault 2021, coût de projet admissible 136 500, montant de demande demandé et admissible 8 000 pour un montant recommandé de 8 000. Ce qui fait l'ensemble des trois blocs du point 8.5. Merci beaucoup, M. Fortier. Donc, une proposition pour accepter les projets recommandés. Marie-Michèle Pagé propose. Merci beaucoup, Mme Pagé. 8.6, maintenant, soutien au marché public portneuvois. Donc, trois marchés publics qui n'ayant pas été soutenus via d'autres fonds de la MRC de Portneuf ont sollicité une aide financière. Donc, 1 500 $ pour le marché public de Deschambault, 1 000 $ pour le marché public de Pont-Rouge et également 1 000 $ pour le marché public de Saint-Raymond. À cela, évidemment, la MRC de Portneuf souhaite effectuer des placements publicitaires d'un montant de 2 500 $ pour faire la promotion de nos différents marchés. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser la Direction générale à verser les contributions financières demandées. Je propose. Michel Blackburn. Monsieur Blackburn. 8.7, projet déploiement de la campagne promotionnelle estivale de Portneuf Culture et Saveurs, alors tel qu'il nous a été présenté par Mme Bella, notre agente de développement économique. En fait, la résolution vise notamment à déposer, pour et au nom de la MRC, une demande d'aide financière à l'entente sectorielle agricole et agroalimentaire de la région de la capitale nationale et de la ville de Lévis pour un montant de 6 000 $ et également d'autoriser une dépense maximale de 13 000 plus à même notre poste budgétaire promotion agro-tourisme pour la réalisation du projet de déploiement d'une campagne promotionnelle estivale Portneuf Culture de Saveur et que ce montant de 13 000 $ soit revu à la baisse, advenant le cas où le montant octroyé par l'entente agro serait plus élevé que prévu au budget pour le projet. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour nous permettre de mettre en valeur nos différents artisans agroalimentaires pour la prochaine saison estivale. Merci, M. Arcan. 8.8, avenant numéro 8, au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, autorisation du préfet à signer ladit avenant. Alors, comme vous le savez, de manière régulière, le gouvernement du Québec modifie les paramètres et les dispositions, évidemment, du programme principal d'octroi d'aide pour les prêts COVID-19. Alors, à chaque fois qu'il y a une modification, les entités visées doivent également adopter l'avenant pour l'intégrer au programme principal. Donc, l'objectif de la résolution vise à entériner l'avenant numéro 8 et m'autoriser à le signer. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour m'autoriser à faire va te le proposer.
Merci, M. Alain. 8.9, maintenant, services de développement économique, restructuration temporaire. Alors, en fait, tel que nous en avons discuté, Mme Lucie Godin a évidemment réintégré le service du développement et considérant les nouvelles responsabilités financières et les nouvelles obligations que nous avons au niveau du développement économique imposées et recommandées par le gouvernement du Québec qui favorise le développement économique et l'accompagnement des différentes entreprises, différentes responsabilités additionnelles nous ont été confiées et avec le retour, évidemment, et la réintégration de Mme Godin, nous avons cru opportun de saisir une opportunité de pouvoir évidemment scinder différents secteurs d'activité à l'intérieur de la direction du développement économique pour être encore plus optimal et nous permettre évidemment d'accompagner davantage d'organisations sans but lucratif et également nos entreprises et nos différents partenaires économiques. Alors, si évidemment le tout vous convient, le conseil adopterait une résolution pour autoriser la direction générale à effectuer une restructuration temporaire du service de développement en scindant en deux le poste de direction. Donc, un poste de direction dédié aux services aux entreprises qui sera assumé par M. Fortier et un poste de direction dédié au développement local et aux collectivités qui sera assumé par Mme Godin. Et je profite également de l'occasion pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Mme Godin qui a réintégré, en fait, ses fonctions tout récemment. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner la restructuration proposée. André Saint-Laurent propose. Parfait. Alors, M. Langlais... 8.10, politique de soutien aux projets de restauration patrimoniale, adoption. Alors, Mme, évidemment, Trottier nous a exposé les dernières moutures de la politique de soutien aux projets de restauration patrimoniale pour clarifier certaines mises en œuvre du volet 1A du PCMNPI, alors qui est évidemment le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, ça fait suite aux différentes discussions et actions qui ont été entreprises par le Conseil des maires et des localités vis-à-vis et le gouvernement pour nous doter d'une enveloppe additionnelle qui nous permet d'accompagner le milieu municipal dans la valorisation de son patrimoine. Alors, l'objectif de la résolution, évidemment, c'est d'adopter les modalités de mise en œuvre du volet et de mandater M. Marcel Réel pour participer aux travaux du comité d'analyse des projets de restauration de manière à accompagner le choix et la priorisation des dossiers et d'autoriser l'agent de développement responsable du programme à recevoir des dossiers de propriété admissible sur la base de cette politique. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution. Raymond Francœur propose. Merci, M. Francœur. Nous serions maintenant rendus au point numéro 9, les dossiers régionaux, donc à 9.1, Festival de films pour l'environnement, demande de participation financière. Donc, le festival nous a interpellés pour nous demander un accompagnement, même si les... situations sanitaires font en sorte que leur programmation a dû être modifiée. Ces derniers, évidemment, ont continué à offrir évidemment un large éventail de films dans leur environnement annuel du festival. Et le projet, en fait, la contribution qui vous est recommandée est de verser une somme de 500 $ au Festival pour l'environnement pour comme participation financière à cet événement en tant que commanditaire. Alors, j'aurais besoin... Raymond Francœur, bravo. Merci, M. Francœur. 9.2 maintenant, Portneuf en forme, demande de participation financière. Donc, comme vous le savez, en fait, le comité des priorités à chaque automne reçoit l'organisation Portneuf en forme qui vise essentiellement à déployer auprès des jeunes de primaire, des écoles primaires, en fait, là, de, je pense que c'est en fait de la première année, un programme parallèle pour favoriser l'activité physique. Il se déploie dans plusieurs écoles primaires de la région et leur service est très apprécié de par les jeunes étudiants et surtout, évidemment, permet à nos jeunes de bouger un petit peu plus. Donc, le montant qui est recommandé est de 7 000 $ et le tout a été prévu à notre budget et adopté et recommandé par le comité des priorités. Alors, M. Leclerc, 9.3 maintenant, projet Portneuf s'illumine, demande de collaboration des municipalités. Alors, en fait, nous avons été interpellés par, en fait, une organisation qui nous permettait, évidemment, de collaborer financièrement au projet Portneuf s'illumine dans le cadre du relais pour la vie de Portneuf.
Vous avez compris, en fait, que les marches, évidemment, qui les activités standards ont tous avaient été remises et les bénévoles ont fait preuve d'une grande créativité pour déployer d'autres types d'idées. Et donc, si le tout vous convient, le conseil pourrait verser en tant que commanditaire une somme de 500 $ au projet Portneuf s'illumine. Et nous avons également fait suivre à l'ensemble des municipalités la possibilité de pouvoir participer dans le cadre de ce projet à portée régionale. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le versement de la commandite. Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. 9.4, la Société de la piste Jacques-Cartier, dépôt du rapport annuel et demande de participation financière 21. Donc, comme à chaque année, la Vélopiste Portneuf-Jacques-Cartier nous dépose dans son bilan financier et réitère sa demande au niveau de notre contribution financière pour un montant de 36 984 $. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour entériner le versement de l'aide financière. Monsieur Bédard. Et le point 9.5, maintenant, appui à la ville de Saint-Basile dans le cadre d'une demande FIMO, alors telle qui nous a été en fait partagée par notre collègue M. Guillaume Vizina. La ville de Saint-Basile a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme FIMO auprès du ministère des Affaires municipales lors de l'appel de projet réalisé à l'automne 2019. Et il y a eu, en fait, des délais qui ont été occasionnés là, par, évidemment, les approbations et en matière de consultation autochtone, le tout jumelé au contexte particulier relié à la pandémie, qui a fait en sorte que, malheureusement, le segment identifié dans la demande par la ville de Saint-Basile, qui avait été ciblé comme prioritaire lors de la planification quinquennale proposée lors du plan d'intervention en infrastructure routière locale, n'a pas pu, en fait, l'aide financière n'a pu être octroyée. Donc, l'objectif de la présente résolution et de fournir un appui à la ville de Saint-Basile dans sa requête de reconsidération de sa demande d'aide financière dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Angélique auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin qu'il puisse être en mesure de pouvoir bénéficier de l'aide financière qui avait été pré-autorisée et qui était destinée à leur municipalité. Michel Blackburn propose. Merci, M. Blackburn. Nous serions rendus au point numéro 10 maintenant au niveau du rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre, M. Lessard? Oui, il y a eu une rencontre la semaine dernière, mardi dernier, 11 mai. Dans le fond, je peux peut-être rappeler un petit peu les points qui ont été discutés. Absolument, vous avez raison. Désolé, écoutez. Vous avez raison. Nous avons tenu une rencontre la semaine dernière à laquelle j'ai participé moi-même. Alors, je vais procéder, évidemment, essentiellement, la Commission de l'aménagement et du développement a adressé différentes questions concernant des projets qui sont, évidemment, à l'heure actuelle, à l'étape de la planification, des projets qui, évidemment, qui interpellent la ville de Pont-Rouge. Alors, ce qui a été convenu, c'est que nous avions certaines vérifications à effectuer à l'interne et une rencontre, évidemment, de travail sera ultimement identifiée avec la ville de Pont-Rouge pour être en mesure de bien cerner leurs besoins et leur planification, et on pourra par la suite vous faire un suivi par rapport à ces éléments-là. Donc, c'était une première rencontre embryonnaire qui va se suivre par de nouvelles rencontres. Commission de développement social et économique, alors nous avons tenu une rencontre plus tôt cette semaine qui ont fait l'objet évidemment des projets recommandés en termes d'aide financière. Commission de l'environnement, M. Bédard. On a eu une rencontre le 12 mai dernier, là, surtout pour, c'est le sujet là, le plus chaud de cette année, le programme de protection des milieux humides et hydriques pour la MRC. Fait que c'était pour faire le sommaire au niveau des tables de concertation et aussi pour donner le mandat à Conservation de la Nature Canada pour nous aider dans l'identification des sites à privilégier au niveau de la protection. Merci beaucoup, M. Bédard. Commission d'administration, alors nous avons eu récemment une rencontre qui concernait principalement les enjeux liés à la négociation de la convention collective qui est présentement en cours. Alors nous avons une autre rencontre de négociation avec la partie syndicale demain. Alors on pourra vous faire un compte-rendu plus détaillé lors de notre prochain comité de travail. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 29 avril dernier. On nous a expliqué justement au niveau de la pandémie, il y a eu une éclosion, à un moment donné, finalement, au sein de l'équipe du poste de Pont-Rouge. C'était quand même important. Mais finalement, l'équipe a somme toute permis de ne pas impacter le dessert policière sur le territoire. Alors, ils ont travaillé fort.
Les équipes de Pont-Rouge sont demeurées actives sur le territoire afin d'assurer le respect des règles de sécurité. On nous a parlé à un moment donné qu'il y a eu des constats, il y a eu des visites de rassemblement naturellement. Et puis, c'est un contexte assez particulier. Il y a eu une dizaine d'appels de dénonciation. Ils sont rendus sur les lieux. Alors, ils ont fait 8 constats à un moment donné dans le temps de Pâques, etc. Alors, aussi, on nous a parlé du départ de M. Clich, qu'on a fait part. Vous savez qu'on a fait une résolution à cet effet-là. Alors, il va y avoir quelqu'un pour le remplacer. Et puis, je vais les laisser vous les présenter. Ils vont venir nous présenter ça, peut-être un prochain conseil. On a parlé des cadets aussi, des 4 cadets dédiés à l'IMRC devraient être entrés en fonction à la mi-juin. Alors, finalement, on incite les gens peut-être à envoyer à la sûreté, finalement, les besoins qu'ils ont dans leur municipalité, pour qu'ils soient avisés, en fait, pour desservir certains secteurs de la municipalité, que vous sentiriez avoir des besoins pour avoir les cadets. On en a déjà identifié quelques-uns. Là. On parle de site des Galets à Pont-Rouge, on parle de certains parcs de la ville de Donnacona, ainsi que certains lacs où les cadets pourraient intervenir. Alors, si vous avez d'autres demandes, bien, envoyez-les, puis eux autres vont planifier leur travail en conséquence. Aussi, on a parlé des patrouilles de motoneige. Il y a eu beaucoup de patrouilles de motoneige cet hiver, et puis on a émis plusieurs constats d'infraction aussi. À Stéphane-là, on a parlé aussi de l'effet de se promener sur les chemins publics. En fait, quand on n'a pas de mention que les gens ont le droit de se promener sur un chemin public, ils n'ont pas le droit. Alors, il y a eu on a le droit de se promener sur un chemin public juste pour rejoindre un poste à essence, un restaurant ou un hébergement touristique. Alors, quand on part de chez nous pour se rendre à une piste, s'il y a un policier, il y a possibilité qu'il nous arrête et nous donne un constat. Alors, on a eu ce cas-là aussi. Aussi, on a parlé... des affichages de numéros civiques qu'on voulait avoir c'est plus particulier dans les rangs, dans le milieu rural. Là. On a parlé de ça, mais ça, c'est quelque chose qui touche toutes les municipalités, puis on n'a pas embarqué là-dedans pour l'instant. On va revenir. En fait, les gens de la sûreté auraient aimé ça avoir quelque chose d'uniforme pour l'ensemble de la MRC, un numéro civique bien identifié, parce qu'eux autres, quand ils arrivent pour identifier un endroit précis, pour chercher un endroit, c'est assez compliqué. Aussi, on a parlé, à moins d'affichage, les stationnements aux abords de la route 138. M. Wallet qui nous a indiqué qu'à moins d'affichage spécifiant l'autorisation, les stationnements aux abords de la route 138 sont interdits. Okay, alors, c'est important. On a parlé aussi des motos, qui rappellent l'importance que les patrouilleurs s'assurent de porter une attention particulière via leur opération avec sonomètre. Encore une fois, motocyclistes qui parcourent le territoire, plus précisément sur le chemin du Rouet. Et puis, on a présenté le rapport qui vous a été envoyé là, du 1er décembre au 31 janvier. Alors, c'est dans le temps de la COVID. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire de spécial, sauf les constats provinciaux, ils ont été à la baisse au niveau des interventions. Au niveau des collisions, il y en a moins, c'est sûr. Il y avait moins d'auto sur le chemin. Là. Alors, c'est inévitable. Il y a plus de constats. Alors, en fait, ils nous permettent de constater que le nombre de collisions survenues dans les mois de décembre et janvier a diminué de façon considérable, c'est sûr. Et puis, nous permet d'apprécier le fait que le nombre de constats d'infraction émis durant la période de référence sur les routes municipales a atteint un sommet. Il y en a eu plus à ce moment-là pour ces 2 mois-là. Aussi, on a parlé, qu'est-ce qui a mentionné les faits saillants, finalement, sur la criminalité. Les crimes contre la propriété survenus durant les mois de décembre et janvier sont en baisse. C'est sûr que les gens sont chez eux, alors il y a moins de vols dans les propriétés. Là. C'est un peu ça, c'est inévitable. Constatons aussi que les activités policières sont demeurées élevées par rapport aux années dernières. Cela s'explique principalement l'augmentation du nombre d'assistances d'intervention. On sait qu'on parle finalement de plus en plus de détresse psychologique avec la pandémie, là, ça a amené des problèmes semblables. Et puis l'état mental perturbé des citoyens. Détresse psychologique. Alors, c'est des choses que les policiers ont eu à faire face au cours des mois de la pandémie. Mais là, je pense que ça va se résorber avec le temps, avec ce qui se passe pour la pandémie. Et puis, je pense qu'on peut dire en général que les gens de Portneuf, ils sont assez bien comportés le temps de la pandémie. Là. Finalement, on sait qu'on est resté en rouge pâle à Portneuf. Au moins, on a gardé nos écoles ouvertes. Alors, et puis, les gens, ils ont fait leur possible pour faire un bon travail au niveau de la Sûreté du Québec. Alors, merci à la population d'avoir suivi les règles sanitaires. Merci. Merci, tout. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Comité de sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre. Au niveau du transport régional. Bonsoir. C'est sûr que la pandémie, à un moment donné, a quand même eu un impact qui a affecté les revenus de la commission de transport. Par contre, j'espère juste qu'en repartant à neuf avec la nouvelle
façon de faire, à un moment donné, pour la population qui peut, à un moment donné, changer d'endroit, etc., avec les moyens qui vont exister à ce moment-là. Mais ça a diminué quand même un peu les revenus de la commission de transport, mais on reste en santé, malgré tout. Parfait, merci. Monsieur Lépine, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi, je voudrais simplement féliciter les gens de la CTRP de Portneuf. J'ai la chance à plusieurs fois de suivre l'autobus et c'est très joli la décoration, la publicité qu'il y a derrière l'autobus. C'est toute beauté de voir nos autobus de la CTRP avec cet affichage en arrière de l'autobus. En tout cas, félicitations aux gens de la CTRP et de ceux qui ont eu cette initiative. Je la vois tous les matins, puis on arrête à chaque voie ferrée deux fois de fil. J'ai la chance de voir assez souvent. Mais félicitations, c'est super. Puis je peux te dire qu'ils sont à l'heure, étant moi-même à l'heure, je pense qu'on a un très bon service en passant. Bien, M. Lépine, je vais prendre acte de vos félicitations, puis je vais les partager avec les membres de l'équipe de la MRC qui ont contribué positivement à le déploiement de ce service. Alors, c'est ici même à la MRC qu'on a entrepris les premiers balbutiements. Alors, beau travail d'équipe. Je savais, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, au niveau de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, M. Tessier, est-ce qu'il y avait des points particuliers? Oui, j'inviterai la population à consulter le rapport annuel 2020 qui a été mis en ligne dernièrement sur le site de la Régie. On y découvre plein d'informations concernant la Régie puis tout ce qu'on fait. Je pense que les citoyens gagneraient à connaître la Régie et à l'utiliser davantage. Merci, M. Tessier. Et le dernier comité, on en a moins, le Forum des élus de la capitale nationale. M. Dion, il n'y a pas eu de rencontre? Non, il n'y a pas eu de rencontre. Rien d'annoncé non plus pour les prochaines semaines. Parfait, merci. Donc, ça complète le point numéro 10. Point numéro 11 maintenant, aux affaires nouvelles et interventions des représentants. Il n'y avait pas d'affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des interventions? Je constate que non. Monsieur Lépine, je comprends que votre main levée n'est pas pour intervenir. Parfait, merci beaucoup. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Alors, on est rendu à la deuxième période de questions, Monsieur Francœur. Donc, évidemment, nous avons abordé ces questions lors de la première période. Donc, nous serions évidemment rendus à la levée de l'Assemblée. Mais avant, j'invite de noter à votre agenda la prochaine date pour le comité de travail qui est le 2 juin 2021. Donc, nous serions rendus à la levée de l'Assemblée. Je comprends que Monsieur Francœur en fait la proposition. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une agréable fin de soirée et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée.